Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, c'est comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. C'est votre homme Servité Hérito, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un petit clash là et parler aussi de DJ Léo. Ouais, DJ Léo. Oh, DJ Léo, le cadeau du ciel quoi. Il n'avait pas vu, hein. Voilà qu'il n'avait pas vu. Mais de toute façon, il est vu là. Il faut que j'en parle. Ouais, le vieil qui a tué. Qui a tué même. Je suis trop fan. Je suis trop fan de son son. Moi, ce qui me plaît chez toi, attends, il vient vers toi. Il vient vers toi, ok? Il vient vers toi. Parlons rapidement de ce petit clash-là. Les gars, si vous avez bien remarqué, ça faisait un bon bout de temps que j'ignorais ce Tiesco, le je sais pas quoi, là. Mais apparemment, ces deux temps-là, il est chaud sur les réseaux sociaux. Il fait beaucoup de bruit sur First Magazine et sur sa page. Comme quoi, il veut affronter le Daichi dans un combat MMA. On met ici pratiquant les box thai, hein. Voilà, au cas où le Daichi ne veut pas se prononcer, moi mais elle est trop blessée, voilà, si c'est pour recevoir quelques coups, pour avoir un bon jet, moi ici partant, voilà. Bref, on parle pas de moi dans cette vidéo, on parle pas de moi. On parle de Virtue Lolas, il y a Virtue Lolas qui vient de te répondre, hein, si tu ne sais pas, Tiesco, le, je sais pas quoi, là. Voilà, parce que le reste, j'ai pas envie de dire ça. J'ai bien remarqué, ça faisait un bout de temps, ben, je t'ignorais carrément parce que tu m'as découragé. Tu pensais que je te déteste, oh, c'était pas le cas en fait. Tu comprends un peu, c'était vraiment pas le cas. Et comme tu m'as montré cette bassesse là, à vouloir m'insulter en commentaire, à vouloir me répondre quand je faisais mon direct sur Force à Déborda, les débuts de ce jour, j'ai dit non, toi t'es pas un artiste, donc je peux pas avoir affaire à toi. Comme il y a quelqu'un qui a envie de te boxer correctement, il faut que j'en parle. Donc, chers internautes, vous êtes au courant comme moi que Tiesco le Sultan veut affronter Gigi Arafat en combat de boxe. Mais en mode MMA. Et malheureusement, Gigi Arafat ne lui répond pas. Parce qu'actuellement, Gigi Arafat est concentré sur l'obtention de son Dix d'or et sur ses projets à venir. Voilà, donc il ne veut pas rentrer dans cette bassesse-là. Et comme il y a un artiste que j'admire bien, voilà, qui sait mettre les points sur les i, il a fait un statut comme quoi il est disponible. Il est disponible à casser la gueule là sur Tiesco le Sultan. Donc Tiesco le Sultan, il y a Virtue Lolas, tu peux aller sur son truc, son mur, sur sa page, pour vérifier l'information. Il est prêt à te bousiller. Il est prêt à te bousiller en deux. Voilà, ça y est, à défaut de Didier Arafat. Veux-tu le celle-là? Et puis tu auras encore plus d'argent, ça va créer encore plus d'engouement. Parce que Veux-tu le c'est un artiste qui est vraiment, vraiment, vraiment connu. Voilà. Donc imagine, on dit Veux-tu le va se battre. Tous les artistes coupés des gueules seront présents. Ça ne sera pas à cause de toi, mais ça sera à cause de Veux-tu le. Donc famille, Veux-tu le lui a donné une très bonne réponse. Et moi, j'adore ça. C'est vrai que ce Veux-tu le là, il a fait sortir encore, hein, pour info, il a fait sortir encore. Un dernier son, ma vie, qui est superbement intéressant, qui est superbement lourd. Voilà, je vous invite à aller écouter encore. Je pense qu'il a dépassé les 1500 vues maintenant. Peut-être qu'il part vers les 2000. Qui est très bon à aller déguster. Et puis, la Chine, soutenez Virtue Lolas parce qu'il est prêt à prendre la place de Gigi Arafat face à ce Tiesco là. Voilà, donc c'était pour vous donner cette information-là. Vous pouvez aller vérifier sur la page de choses Virtue Lolas. Il est prêt à combattre contre Tiesco le Sultan. Voilà, Tiesco le Sultan qui fait tellement de bruit comme quoi il s'entraîne et tout ça. Voilà, je vous rappelle encore, hein, voilà, celui qui est intéressé, moi-même je suis pratiquant de boxe thaï. Actuellement je suis très blessé, j'ai besoin d'argent. Voilà, au cas où on aurait besoin de moi pour un quelconque combat, mais avec le star, hein, parce que mine de rien, moi j'ai une petite cote, j'ai beaucoup d'audience que certains artistes, donc. S'il y a un artiste qui est prêt, moi je vais partir recevoir quelques coups pour recevoir un peu. Voilà, les blessés comme nous là, c'est mieux de faire un vrai truc où tu as un petit jet que de venir se mélanger aux petits artistes là. Bref, juste pour rigoler. Donc c'est un peu sa famille. Bref, on laisse un peu truc cette histoire de Tiesco le Sultan et Virtue Lolas. En tout cas, Virtue Lolas, moi je te soutiens. Voilà, je te soutiens.
Maintenant, s'il a OK, il a qu'à juste confirmer et puis on voit comment ça s'est passé. C'est tout. Voilà. Bref, les amis, comme je vous disais, Didier Léo et Serge Benoît m'ont agréablement fait plaisir. Effectivement, sans vous mentir, dans les sons année à année là. Dieu merci, oh, Dieu merci, olé, Dieu merci, oh, la nouvelle année, voilà Noël. Ça, c'est Didier Léo, voilà. Et puis, excusez-moi, il y a Serge Benoît aussi qui a sorti mon année. Franchement, Serge Benoît, lui, c'est un gars, il ne force plus, hein, il ne force plus. Il fait les sons tranquilles, il ne s'embrouille pas et tout. Il fait ça comme il veut, du genre, il n'a plus rien à prouver et tout ça. Mais qualité des clips, ça va tuer. Ouais, sa qualité des clips. Donc, Serge Benoît, au passage, je te félicite pour ce son-là. J'ai aimé, voilà, j'ai aimé, parce que tu racontes tout le temps ton histoire et moi ça me plaît. Tu viens de loin quand même, hein, tu viens de loin. On t'a attaché, ils t'ont attaché, on t'a insulté, ils t'ont insulté, mais tu es là. Et c'est à féliciter, franchement. Franchement. Bref, donc comme je disais, les amis, Didier Léo, le cadre du ciel, a fait sortir un son qui me fatigue. Qui me fatigue. Dieu merci. Depuis son boycott, elle est restée un peu silencieuse. Moi, je ne comprenais pas. Il dit, ah, c'est vite. Il dit, c'est vite. Mais quels sont les vite ou le last même? Excusez-moi, les amis. Oh, oh le Tiesco, le sultan, là. En fait, tu lui as répondu, ta bouche est dans ton oeil, dans ma bouche, beaucoup, beaucoup, là. Bref. Donc, comme je disais, écoutez d'abord, écoutez le son du truc, de fait tout le last rapidement, un petit bout rapidement et puis on revient. Voilà, parce que franchement, peut-être vous ne comprenez pas, peut-être que si le son passe, je serai encore plus inspiré à faire son atalakou. Fait. De tout le last encore. Il n'a pas coupé, il ne veut même pas reprendre cette vidéo-là, mais on fait comme ça. Vous allez voir combien de fois c'est difficile de faire des vidéos. Fait tout le last, fait tout le last. Oh, je parle de DJ Léo. Dieu merci, bon visionnage. Donc famille, à vous de juger en commentaire. Moi, franchement, cet artiste-là, c'est l'un des rares artistes que je respecte. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'un des rares artistes qui n'a jamais fait de fausses notes quand il chante. Didier Léo. Quand Didier Léo chante, là, c'est l'un des rares artistes que je connais coupé décalé qui n'a jamais fait de fausses notes. Oh, je suis sûr qu'il n'a pas fait une école de musique. Franchement. Écoutez tous ces morceaux. Il est fort, hein? Il est fort. Et puis, il a cette facilité-là de faire danser en chantant en français. Il n'y a pas de talakou dedans. Donc, quand j'ai écouté ce son, je n'avais pas encore vu. Quand j'ai écouté ce son-là, il dit non, il faut que j'en parle si il de cher civil. Parce que c'est aussi pour la promotion de la musique ivoirienne. Effectivement, je me suis empressé même de faire la vidéo. Vous avez écouté? Mais là, pour ceux qui n'ont pas encore bien écouté, comme c'est une petite bouée, chose publiée là, partez sur sa chaîne DJ Léo. Vous allez écouter son entièreté. Il est fort. Il est sérieusement fort. Il sait de quoi je parle, hein, les amis. Je ne suis pas un grand maître de la musique, mais un artiste est super talentueux là, il connaît. Et puis, il ne me trompe pas. Donc, si je suis gamé, si je déborde, je sais pourquoi je suis gamé sur lui. DJ Léo, c'est un patron. Il est fort. Dieu merci, oh, Dieu merci, olé, Dieu merci, oh, la nouvelle année, voilà nous. Franchement, donc c'est une petite vidéo en soutien à Didier Léo parce que franchement, il est encouragé. Moi, j'ai kiffé, mais quand hein, tu as dit les vérités, parce que souvent il faut ça. Il y a trop d'artistes qui se jouent les dangereux. Oh, toi, tu es un maître chanteur.
Donc, Max de soutien, famille. Max de soutien. C'est quand même DJ Léo. Hein. DJ Léo, le cadeau du ciel. Il n'y a pas l'homme. Big up à Serge Beno pour son dernier clip. Vous pouvez aller regarder. Voilà. Bizarrement, Serge Beno, il ne mousse pas trop en vue de jour là. Il ne comprend pas. Tu es trop beau maintenant ou bien c'est quoi? Bon. On pas trop parler. Parce que si moi, quand il parle, il déplace un peu. On dit, j'étais attaché. Oh, je suis pas en train d'attacher. Moi, je kiffe sérieusement et sincèrement. J'adore ton dernier son là. Surtout le clip, ça me plaît. Voilà. Donc, big up à DJ Léo, big up à Serge Beno. Et puis, Tiesco le Sultan, rendez-vous avec Becho Lolas. Voilà. Et puis, je rappelle encore, je dis, je suis pratiquant de boxe thaï. Oui. Au cas où, bah, je suis dispo. Imaginez l'affiche, YouTubeur artiste. Yeah! Le buzz de Stéphane, quoi. Il devient grand en même temps. Juste pour rigoler, les amis. Mais en tout cas, ici, là, hein, il ne s'est pas très amusé. Ciao, ciao, les amis.